Kijk de la Bouge, chez Jan et Hilde Schuttert. On est à Saint-Hilaire de Chalion, dans le Loir-Atlantique. Installé depuis le 1er octobre 1996. Ça fait 27 ans qu'on est arrivé à la Bouge à Saint-Hilaire. On a toujours fait tout ce qu'on fait en famille. Aujourd'hui, c'est le fils qui est avec nous et on a un apprenti. On a une exploitation d'une 110 hectares laitières et avec une référence laitière de 1 million kilos de lait à peu près. On a une surface, un SAU de 140 hectares. On essaye de faire le lait avec un maximum de pâture et d'herbe dans la race. Notre choix de taureau, on fait comme beaucoup de monde, on essaye de trouver le taureau complet, parfait, qui n'existe pas, mais chez nous, c'est la morphologie, c'est un poids important. On veut avoir des vaches solides qui peuvent vieillir, de préférence, qui ont quand même des taureaux positifs en lait, avec les taux positifs qui ne dérapent pas trop dans les fonctionnels. Un critère qu'on a toujours, les bassins, ils doivent être bien orientés. Moi, j'aime pas les vaches avec un bassin renversé. C'est un choix qu'on a toujours, avec tous les choix de taureaux qu'on a fait, on a toujours surveillé ça. Toutes les femelles qu'on a chez nous, ils vont y être élevées pour faire au moins un veau. Et après le premier village ou le deuxième village, on fait le choix de quelle vache on voit le mieux vieillir dans notre situation chez nous. On garde celle-là et les autres sont proposés à la vente. Et ça, en moyenne, ça part de, si on a 50 femelles, 50 primipares qui veulent dans l'année, on garde à peine la moitié. Et tout le reste, fait carrière ailleurs. Tous les IA qu'on fait nous-mêmes, c'est un choix qui était fait petit à petit. On avait fait la formation, oui, je l'avais fait il y a 30 ans et on a commencé à l'inséminer à peu près il y a 15 ans. Maintenant, on fait à deux. Quand nous, on n'est pas là, le fils, il le fait aussi. Comme ça, on fait les IA au moment où nous, ça nous arrange. On n'a pas, on n'a pas des vaches à bloquer des heures tout seul quand les autres sont aux pâtures dans une case ou dans la vie. On fait le matin ou le soir après la traite. C'est un choix. Pour moi, c'est plutôt un boulot d'éleveur que comme un planning d'accouplement ou des accouplements. Ça, c'est pour moi un boulot d'éleveur et moi, je préfère qu'il y ait quelqu'un d'autre qui me prépare mon parcelle de maïs. Et moi, j'ai fait le boulot autour de mes vaches. C'est un petit peu la particularité chez nous, c'est la traite. C'est très important et la qualité de lait aussi. On a à peu près deux tiers de notre production qui part à un petit fromagerie. Qui le transforme en lait cru. Au niveau hygiène de traite et tout ça, on doit être nickel. La traite chez nous, ça prend son temps parce qu'il faut qu'on est bon au niveau qualité. Et depuis qu'on est là, c'est 27 ans, le mot pénalité, on ne connaît pas.